ça met fin et présidentielle, rappel des lois en vigueur. Le SAMIFIN a porté à la connaissance de tous les candidats aux différentes élections que son service scrutera comme il faut l'origine des fonds de ces derniers. Il les a informés que tout argent provenant de blanchiment ou de recyclage d'activités terroristes est formellement proscrit par la loi en vigueur. Par ailleurs, selon la loi 2012-015, dans ses articles 33 à 38, il est précisé que tout parti politique doit détenir un compte bancaire et que tout candidat est soumis à la même règle avec un trésorier nommément désigné. Le SAMIFIN travaille en étroite collaboration avec les établissements bancaires et a détecté depuis que quelques personnes proches de quelques candidats possèdent des comptes aux origines douteuses.